Bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, je suis très énervé car mon véhicule de loisir tombe toujours en panne d'essence. J'ai donc aujourd'hui ajouté ce réservoir additionnel d'une contenance de 50 litres. Regardez-moi ça comme il est gros. Il n'est pas formidable? Je vais enfin pouvoir rouler sans m'arrêter. Allez, faisons le plein. Trop génial. Oh non, j'ai mis une goutte à côté. Non, j'ai taché mon pantalon. Comment réparer mon erreur? C'est la fin de l'hiver, enfin j'espère, parce que là ça commence à être vraiment très long. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur la voiture. Alors, bienvenue dans mon humble bordel. Alors, voyons voir. Alors, nous avons le réservoir d'eau avec un anti-retour dedans, la belle petite pompe à eau, 4 litres par minute environ quand il n'y a pas de fuite. Là, il n'est pas branché, je viens de débrancher le tuyau pour faire quelque chose de plus propre. Le petit fil rouge là qui va jusque devant, quand tu appuies sur le bouton là, oui, c'est fait pour être branché normalement. Le tuyau, il va jusque là, divisé en deux, il va dans une roue et dans l'autre. Voilà, petit gicleur, tu peux choisir l'angle et la pression. Moi, j'ai pris un 110 degrés. Parce que comme les gicleurs sont à l'intérieur là-bas, j'ai pas réussi à les mettre à l'extérieur. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'ils viennent ici, là, à l'extérieur, et qu'ils giclent vers l'intérieur pour avoir un angle ici d'eau, parce que c'est ici qu'on roule, hein, souvent. Et l'intérieur, il sert quasiment à rien. Boumous, excuse-moi. Oui, ben attends. Le réservoir. Au début, j'ai cherché à faire un réservoir sur mesure, mais c'est casse-couille. Et j'ai trouvé ce réservoir additionnel. Normalement, il y a de l'essence dedans. Et moi, j'ai mis de l'eau. Dedans, cloisonné avec la mousse, mais ça marche quand même. Et là-bas, vous pouvez voir le petit branchement qui va jusqu'à la pompe. Voilà. Voilà, c'était pour les nouvelles du jour. C'était pour les nouvelles de ce week-end. Je vais prendre une douche.